Et bonjour à tous. J'avais pas craqué hier. Et ce matin, je me suis réveillé, j'ai fait, bon, on va faire un pile ou face. J'ai lancé ma pièce de 500 yens. Et elle est tombée du côté Rune Factory, donc... voilà. je suis pas dispo toute la journée, du coup je vais surtout faire, je pense, jusqu'à ce que Miel arrive. J'ai déjà mangé, donc tout se passe bien. J'espère que vous allez bien. Ce midi, un bon appétit à ceux qui nous regardent. On va regarder en mangeant. Level up pour Papy One, gros viewer de niveau 117, et Belmine, gros viewer de niveau 101. Qui était là à stalker Donny tout à l'heure, bien sûr. Voilà. Donc, j'ai craqué sur ce Rune Factory 5. J'ai déjà vu quelques... comment dire... des impressions japonaises. Je pense savoir à quoi m'attendre, au niveau des défauts, etc. Bon. Je pense qu'on pouvait s'y attendre en voyant le jeu. Mais j'ai quand même pris. Parce que je me suis dit que ce qu'on pouvait relever... n'était peut-être pas si significatif que ça pour moi. Pour faire son propre avis. Après. Je vous laisse l'intro, bien sûr. Dire l'intro est quand même plutôt donne envie. Voilà. Rune Factory 5. Ok, on commence alors. Il y a du chargement. Bon, ça faisait partie de ce que j'avais lu à peu près, mais il y a d'autres qui ont l'air de chiffonner un peu plus que le temps de chargement. Je crois avoir compris, mais on va voir quoi.
que j'ai l'impression d'entendre une voix. C'est le cri d'une fille. Je dois la sauver. Ouais, en fait, ça c'est je dois la sauver en mode mec, et ça c'est je dois la sauver en mode fille. Bon, ils vont retranscrire ça. Français en anglais. Parce que là on le voit grâce au kanji. En fait. Si vous faites ce choix-là, ce sera masculin. Bah, dessus. Je suis évanoui. Pourquoi? Je n'en souviens de rien. C'est vrai, je dois la sauver. C'est plutôt joli. Enfin, en tout cas, ici. Un monstre. J'arrive. Je vais la sauver maintenant. D'abord, je vais d'abord m'équiper avec le bouton L, je peux ouvrir. Hein. Avec le bouton. Ok. Le bouton. Je vais l'équiper. Si je perds l'ennemi de vue, je peux utiliser le stick R. Ah, c'est ça. Deux ennemis maintenant. Lequel je vais faire ennemi vais-je devoir centrer sur. Donc ok, là je le bloque. Tu es blessé? Oh, à ce niveau-là, ça devrait aller. Là, ici, ça a l'air dangereux. On devrait aller dans un endroit plus safe. Qu'est-ce que Rune Factory? Rune Factory, c'est un peu un spin-off de Harvest Moon ou de ce que vous connaissez aujourd'hui, Stories of Season. Parce que pour des questions de droits, de nom, je ne sais quoi, le studio Natsume a pris les droits sur le nom Harvest Moon. Et donc, tous les jeux Harvest Moon aujourd'hui que vous voyez, ce ne sont pas des Harvest Moon en fait. Ce n'est pas développé par Marvelous, c'est développé par Natsume. C'est pas l'équipe d'origine, quoi. Ceux qui étaient derrière les anciens Harvest Moon aujourd'hui sont derrière la série Stories of Season, donc de Marvel. J'ai pas eu les droits, mais... Oh, putain, je n'ai pas... Courage, Priscilla.
c'est la ville. Génial, heureusement. Ouf, quoi. Et donc oui, du coup, j'en étais où dans ces explications. Win Factor, et du coup, c'est un spin-off de, à l'origine Harvest Moon, du coup, un spin-off de Stories of Season aujourd'hui. C'est développé donc par Marvelous. Et en fait, c'est un spin-off assez particulier, vu que vous avez du coup les éléments de farming. Farming, donc vous avez une ferme à gérer, etc. La romance est également là, il y a également les mécaniques de mariage, comme dans Harvest Moon, comme dans Stories of Seven. Je suis encore habitué à l'appeler Harvest Moon, même si je sais que c'est plus Harvest Moon, mais voilà. Il y a un petit background derrière qui fait que... C'est aussi que je joue plus à la série Harvest Moon depuis que ce n'est plus Harvest Moon, en fait. C'est devenu Stories of Seven. J'ai pas fait la transition, quoi. J'ai pas repris... Mais c'est un spin-off de Stories of Season avec les mécaniques de ferme tirées de Stories of Season, mais avec un scénario fantaisiste, un univers du coup fantaisiste, les mécaniques de gameplay également du tir et du RPG. Donc vous avez également des donjons avec des monstres et donc un scénario qui tourne souvent autour d'un héros amnésique, souvent. C'est pas dans celui-là encore. Ça a l'air d'être le cas aussi. Et voilà, vous tournez autour d'une histoire que vous pouvez faire progresser tout en ayant en tête que vous avez votre ferme à gérer à côté. Donc voilà. C'est un RPG ferme. Donc c'est une branche qui a quand même connu son succès, notamment chez les fans de Harvest Moon, bien entendu. Stories of Season, mais également ceux qui auraient, qui aimaient justement un peu d'avoir un petit scénario plus poussé et des mécaniques RPG. C'est ce mélange subtil. Là, on est sur un tout nouvel opus depuis très très longtemps. Le dernier opus inédit de la série sortie fut Rune Factory 4, disponible sur 3DS, qui est revenu en version entre guillemets HD, donc spéciale. Sur Switch, qui a même été disponible une semaine gratuitement, je crois. Et bon, il n'a pas convaincu beaucoup de monde parce que bah, c'était un vieux remaster 3DS. Malheureusement pour lui, quoi. Alors que sur 3DS, il a plutôt convaincu. Hein. Sur 3DS, c'était, je crois, l'opus le plus vendu et même le meilleur opus en termes de gameplay, machin et tout, de la série Wind Factory. Voilà, c'est Wind Factory 5 était quand même plutôt attendu. Plutôt attendu. Et il semblait marquer quand même un changement dans la série en passant notamment de la petite 2D là à de la 3D complète en HD en plus. C'était quand même déjà des petits modèles 3D, mais on était sur des environnements peut-être encore deux. Se réveille. Je vais appeler ma mère. Oh, Murakumo-san, ok. Murakumo-san. De surprendre Priscilla et Hina. Bref, ne crie pas comme ça, tu viens de surprendre Priscilla et. Ah, oh, désolé, Lucie. C'est son nom. Ina, va bien.
Oui, cette personne m'a sauvé. C'est elle, Echina. Et donc l'autre, c'est Priscilla. Là. Merci d'avoir sauvé ma fille, toi. Oh là, terrorise pas ainsi mon patient, voyons. Brutalise pas ainsi mon patient. Ah, merde. Je pensais justement aller t'appeler. Ah oui, je t'ai entendu. Avec sa mère. Ils ont pas l'air très familier. Simone. Je suis Simone, l'infirmière, la médecin de ce village. Oh, comment tu te sens? T'as encore mal quelque part? Non, ça va. Je vais plutôt bien. Oh, tant mieux. C'est quoi ton nom? Mon nom? Oh, on va laisser Alès. C'est personne qui parle, donc ouais, on va laisser Alès. Oh, anniversaire. Anniversaire, vas-y, je vais mettre la réalité alors. Anniversaire, c'est... Ralu. Non, c'est pas Ralu, moi. C'est Matsu. Je m'appelle Alès, mon anniversaire c'est en été le 23. Et ton adresse, tu viens d'où? Ça... Ça... Je ne m'en souviens pas, c'est ça? C'est ça. Mais je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas? Tu es amnésique? Oui. Désolé. Vous avez entendu? Il est amnésique. C'est la première fois que je vois ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai l'air de poser quelques problèmes. Est-ce que je dois faire? On doit causer trop de problèmes. Je devrais partir avant de mon coup. Tout le monde, merci beaucoup pour votre pièce. Ouh, je vais y aller. Tu vas aller, mais tu sais même pas d'où tu viens. Si tu venais plutôt à la maison. Qu'est-ce que t'es en train de dire? C'est la personne qui a sauvé Kina. C'est à moi d'en prendre soin. Je lui dois une faveur, quoi. Non, ne dites pas ça. C'est mon patient. Ou c'est à moi de... C'est à moi de veiller sur lui. N'importe quoi, merde. T'as juste envie de étudier cette personne qui est amnésique. Et qu'est-ce que ça a de... Ça n'a rien d'un problème. Ça va permettre justement à la médecine d'évoluer. Ou c'est très important. De quoi ils sont en train de parler? De quoi êtes-vous en train de parler? Ça ne se voit pas? On
est en train de décider, on est en train de se chamailler sur qui va veiller sur toi. J'espère qu'il n'y a pas de personne mauvaise du coup. Non, ce n'est pas vrai. Est-ce que est un bonne personne? Oui, bon, je t'ai sauvé, je suis mort. Après, j'étais bon, des bâtards. Hein. Ouais, ça doit être, je pense, comme Gina. Et je peux comprendre aussi le point de vue de Lucie. Très bien, Lucie. Amène Alès jusqu'à la maison. Si tu examines Sophia, si tu examines la flamme des âmes, On saura si c'est une personne étrange, mauvaise ou à l'intention de vous. Et pourquoi moi? On vient juste de dire qu'il était peut-être bizarre, non? Ouh! Si vous voulez, c'est moi qui l'accompagne. Ah non? Et oui. Alors. Attendez. Moi aussi j'y vais. Et oui. Ok, donc il y a de l'autosave. On peut aller sur des save points. On va sauvegarder justement. Apparemment, on peut. Non, on doit pas aller ici. Ok, je sais. Faut gérer. Oh. Non, ça c'est pour les messages. Ouais, non, c'est bien ça. Ouais, on va voir. Target. Que c'est quand je target. Moi je préfère qu'on joue. Mais là, normal, basse. Contre. Ouais, ça je vais l'augmenter, ça fait l'air assez rigide. Quatre bancs là. 80. Voilà. Ouais, c'est mieux. C'est mieux, mais autant mettre au max si c'est ça. Hein. Ouais, là je suis bien. Après, c'est bon. Hein. Level up pour Peburacho, habitué de niveau 81, Vatican City Mago, gros viewer de niveau 108. J'avoue aussi sur ce stream sur Rune Factory 5. Il est plutôt joli. Ça peut peut-être donner mal à la tête. Mais après, j'ai l'impression que c'est trop long. En fait. C'est trop long. Quoi. On va laisser à 80. Et c'est vrai que quand je mets à 100, c'est assez rapide, mais
pourrais peut-être... peut-être tomber malade avec cette... On est bien. La chambre... c'est... Il s'agit juste de descendre et c'est tout à droite. C'est juste à droite. Et c'est bon. Ça c'est pour revoir les cinématiques. Ah, les cinématiques. Excusez-moi, Libaya. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je regarde juste un petit truc. Ouais, du chef du maire. On est venu inscrire Hades Solsfaya, le feu des âmes. Je sais pas. Solsfaya, on va dire. Hein. Voilà. Hades? Ah! C'est lui qu'on a amené ici. C'est réveillé alors. Et c'est elle le chef du village, enfin le maire. Oui. C'est elle qui protège. C'est elle qui est à la tête de Shid et qui protège Ligbas. Ligbas, si. Ok, donc c'est peut-être pas le maire, mais le chef du groupe Shid. Ligbas, oui, c'est le nom de cette ville. Seed, c'est les personnes qui la protègent. Okay, donc c'est le chef de Seed. D'ailleurs, en parlant de ça, là, en ce moment, tu es dans le bâtiment. Oui, quoi, en fait. Tu es en train de porter un uniforme de Seed. Le vêtement était complètement mort, donc on a dû te changer. Oui? Ok, ok, très bien. Pas besoin de me remercier, tu sais. Du coup, tu viens d'où et pourquoi tu es dans cette ville aussi perdue? En fait, je m'en souviens pas du tout. Quoi ça? C'est amnésique, apparemment. Du coup, c'est pour ça qu'on pensait venir l'examiner avec le Soulfire. Soulfire. C'est déterminer si c'était une mauvaise personne ou pas. Je vois. Ça, le Soulsfire, alors. Ou mets ta main là-bas sur ce qui ressemble. Cette espèce de grosse boule qui ressemble à de l'eau là, elle brille beaucoup. C'est le Soulsfire. Elle brille beaucoup, non? Elle brille de mille feux, non? Je
je t'observe, donc ne fais rien de suspect. Si bien. Je vais dormir chez les gens, je m'en tape. Ah, là. Non, non, bon, allez. Ouf! Là là! Ça, c'est. Là, il y a un problème, là. Un Marvelous. Donc, ce truc. Qu'est-ce qui se passe? Oh, quelle puissance de rune, cet individu. Écarte tes mains maintenant. Ouais, ok. Ça m'a surpris. Mais qui tu es, toi? Même si tu me le demandes. Libaya, chef Libaya. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai jamais vu ça après tout. Après tout, normalement, le Soulsfire, il fait juste bruit de quelques couleurs différentes. Hein. Chef? Oh, ne vous en faites pas, il n'est pas dangereux. Oh. Non, j'ai rien. Dans tous les cas, le Soulsfire de Alès ne présageait rien de mauvais. Montrait rien de mauvais. Okay. Génial, Alès Kun. Oh, ouais, je suppose que c'est génial. On comprend pas grand chose. C'est quoi le Soulsfire? Eh bien. Qu'est-ce que c'est? C'est un. D'après maman, c'est. Arrive à déterminer la valeur de l'âme d'une personne. Y mettant ses mains, on peut apprendre de nombreuses choses sur cette personne. Ça, hein, chef Libaya. Ouais, c'est ça. Mais au-delà de ça, Alès. Si tu n'as nulle part où aller, tu peux m'aider dans mes travaux. On est ici assis de. On manque de personnel, quoi. On est tellement peu que ouais, tu pourrais carrément nous aider. Alors qu'est-ce que t'en penses? Si tu dis oui, on peut même te donner de quoi te loger. Bon, si je peux vraiment accepter un travail où je dois protéger tout le monde. Y'a un problème. T'as l'air en panique, toi. C'est chilu. C'est qu'il y a un gros problème, chef Libaya. Est-ce qu'il y a les lunettes de... Vu qui ça, hein. Autrement dit, Yuki a encore perdu ses lunettes. Non. Ok, on y va alors. On va voir.
Dépêche-toi, Lucie. On va aller sur les lieux de l'incident. Il a l'air de s'être produit quelque chose de grave, non? Après tout, autour de ces Shilkoum, il y a toujours des affaires bizarres. C'est le joueur d'affaires qui devient... dans cette ville, c'est le joueur d'affaires qui devient un gros problème. Même si c'est pas si grave que ça. Même si ce n'est juste le temps que tu retrouves ta mémoire, que dis-tu de nous aider? Vas-y. De toute façon, il n'y avait pas d'autre choix. Très bien, je vais essayer. Très bien. Et du coup, c'est soudain de te demander ça, mais c'est l'heure du travail. Ishila, c'est contre lui le champ à l'arrière et contre lui les travails de fer. Hein? Par les travails, c'est ce genre de travail? Okay. Si, donc on peut tout faire. Sans pas forcément parler des travaux de champ. Donc, tu dois être censé savoir tout faire. Ah, je vois. On va aller là. Donc on commence par les travaux de champ, c'est normal. A priori, ça tourne autour de ça, après tout. Comme Stories of Season, t'es bien. Voici le champ. C'est un peu soudain, mais je vais t'expliquer le travail de fond. Si. Très bien. J'étais un peu embarrassé du fait que tu m'écouterais peut-être pas. En fait, ces temps-ci, ce champ, il a été laissé comme ça. Personne ne le touche depuis. Du coup, en premier, il faudra le nettoyer. Ok. Avec le bouton A, on va enlever les mauvaises herbes. Arbre. Mettre dans la boîte. Ok. Pareil. Si c'est pareil. Par contre. Ah oui. Est-ce que je peux prendre des trucs différents? Non, je pense pas que je puisse. Un caillou, je peux pas prendre. Ouais, ok. On va tout rassembler. Hop. Ouais. Plusieurs cailloux. Ouais, si. Ça manque de précision. C'est trop lourd. Ça. Les herbes. On peut les manger.
manger. Ok. On peut les manger. On va les manger. J'ai plus faim. Quoi? Tu me racontes. Eh merde. Non, c'est pas la même. Ah, mais merde. Non. Ah, non, c'est pas la même. Ok, c'est pas la même. Très bien, très bien. Et le temps. Ah, si je maintiens le bouton. Ah, mais fallait le dire, ça. Ah, ok, on peut même les lancer. Ok. On m'a dit que je peux lancer les options. Ah ouais, carrément. Non, non, je m'en vais pas, je voulais juste voir. Okay. En fait, si je ramassais un objet, là, je pouvais carrément le... J'ai envie d'essayer. J'ai juste envie d'essayer. Elle peut être. Où est mon truc? Voilà mon truc. Oh. Oh, c'est tellement. C'est dommage. Dommage. Je voulais essayer. Mais... Du coup, je vais commencer mon truc là. Allez. Merde. C'est Y. Ça va pas marcher. Les graines de navet. Ouais, bah attends, je fais mon champ et je m'occupe de tes navets. Ouais. Ah ouais. Ok. J'ai pas besoin d'aller au ralenti. Ok. C'est trop bien. Par contre. Allez, c'est parti. Donc maintenir, ça fait pas grand chose. Ok. C'est bon. J'ai mes graines. Et là, c'est pas trop comme ça que je voulais mettre, mais ok, on va dire que c'est bon. Et...
Ok. J'ai pris l'arrosoir. Rose, forcément. Il y a un menu de... Il y a un menu rapide désormais. Oh. Là, si je maintiens le bouton. Ouais, donc tous les matins, hein, il sèche, donc il faut les arroser tous les jours. Il n'y a pas forcément besoin de les arroser le jour. Et... Voilà pour les travaux de champ. Ouais, les produits que tu arrives à faire pousser, tu pourrais les manger pour faire de la, ou les utiliser en ingrédients de cuisine. Tu peux même les donner en cadeau aux habitants de la ville. Je pense qu'ils en seraient très contents. Bien sûr, tu peux les mettre dans la boîte et en tirer de l'argent. Les matins à 8h, il y a quelqu'un qui passe pour prendre le contenu. Tu peux y mettre n'importe quel objet que tu voudrais prendre. Là, bon travail, Alès. Ah, voilà, on va redonner des graines de navet. Vraiment? Tout ça? C'est bon, c'est bon. Surtout, tu viens nettoyer ce champ. C'est pour te remercier. Moi aussi, j'ai besoin de voir. Quel genre de champ tu vas bien pouvoir nous construire. Je sais pas si je pourrais répondre à tout. Ah, je pense que c'est toi, tout ira bien. Il n'y a aucune personne qui sache aussi bien travailler le champ dès sa première fois comme toi. Il semblerait que le chef Libaya ait bien ait eu une bonne impression. Surtout. Ça, tu serais peut-être le légendaire du lendemain. Si c'est toi, Alès, je suis sûr que c'est Nebis. Au-delà même des champs, tu arriveras à mettre de la verdure dans le monde entier. Non, tu exagères. Ah, moi je m'attends à ce que tu y ailles, pardon. Moi, quand j'étais petite, il m'est arrivé de lire livres d'illustration. Dans lequel... individu de nom de truc à ce nain de pas était sur un grand dragon, sur le bout d'un grand dragon. Il labourait toutes les terres du monde. Il remplissait le monde de runes. J'étais très très excité par ce truc. Ah, désolé. Les runes, c'est la forme, ou en tout cas l'énergie vitale, ou un truc du genre. En fait, si tu travailles trop, toi aussi, tu finiras par ne plus avoir de lune, tu finiras par tomber de fatigue. Fais attention. Ah ? Désolé de t'avoir fait, d'avoir trop fait.
devrais te reposer. C'est pas mal ça. Le chef Libaya a dit tu devrais utiliser cette chambre. Ou cette chambre devient la tienne. Alès. Vraiment? Et ce bâtiment, c'est pas le bâtiment de Cid? Oui, c'est vrai, mais... la chambre ici, au troisième étage. Au premier étage. C'est libre depuis un moment. Ou... Jeffrey Maya... Ici. Voilà, pour tout ça a l'air pacifique. Ça ne semble pas poser de problème. Pas. Et le chef Libaya vit juste en dessous. C'est en bas. Ou, comme il y a beaucoup de gens qui passent, s'il y a quelque chose qui t'occupe, tu peux demander conseil directement. Ah, je vois. Ah, allez, ça va aller. Les cas dans cette chambre, il y a donc un lit, un calendrier, une machine. Ah, comment on appelle ça? Projecteur. Sur le calendrier, tu as la date du jour évidemment, mais il faut également vérifier les jours pour les festivals, etc. Avec le projecteur, tu peux regarder les cinématiques du passé. Enfin, et enfin, avec le lit. Tu t'endors et tu te réveilleras le lendemain matin à 6h. Et tu peux même tes PV et tes RP seront restaurés. Si tu ne te reposes pas comme il faut, tu seras en état de fatigue ou tu tomberas même malade. Donc avant qu'il ne fasse trop tard le soir, tu devrais bien revenir pour te reposer. Dans tous les cas, si tu es fatigué, dors. Ça doit être tout. Bon travail. Aujourd'hui, repose-toi bien. Ça repose-toi bien. Là, je vais m'occuper, moi. Save, bien sûr. Ah, c'est parce que j'étais là, mais moi je voulais parler à la meuf. Je peux changer de vêtements. Je peux changer ses vêtements en tout cas. Et apparemment, s'ils donnent cette possibilité, je pense qu'on pourra changer les vêtements des autres. Des personnes avec qui on a de bonnes relations. Peut-être pas en. C'est des anciens héros de série, je crois. Donc je me mets normal. Est-ce qu'on peut voir l'intérieur?
Oh oui. Allez. Oh ça, je vais dormir. Dormir. Ah, le mec, je suis scripté par le scénario. Non. Okay. On va tout à l'heure alors. C'est encore que le midi selon les horaires. Pourquoi je dois dormir? On dort. Ah, cette musique, c'est tellement la musique quand tu dors dans les... Tous les Wolfpatouris, c'est la même. Réveille-toi, Lesko. C'est déjà le matin. Petite sématique. C'est réveillé. Petite cinématique, vraiment petite. Bonjour Priscilla. Et Lucie aussi, bonjour. Salut. Elle semble encore me regarder avec des yeux, enfin, comme si j'étais étrange. Et du coup, vous avez résolu l'affaire des lunettes? Bien sûr. Oh, vrai détective. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste que... Bah, Yuki-san les avait tout simplement sur sa tête. Ouais, c'est comme d'habitude, elle les pose et les oublie tout à l'heure. Et c'est là? Désolé. Assez dormi. Je suis venu vous apporter un message. Un message du chef Libaïa. Elle a dit va te présenter à tous les habitants du village. C'est ton premier devoir. Décide après tout. Faites ton mieux. Ok. Tentez à tout le monde. Et surtout que. Oh, c'est beau. Oh. Oh oui, 160. Bon, lui, je voulais le reposer là où il était. Pas dans ce sens là. Oh, on peut le détruire en plus. Non, je vais pas le détruire, mais pas le détruire, mais... c'est pas le pousser, genre. C'est quand même moche comme ça.
level pour Cheap Wands, niveau 36, bravo à toi. Je peux sortir par là? Merde, c'est pas cool. Ouh, oui, c'est bien ce que j'avais lu en fait. Sur les Abijah, c'est bien ce que j'ai lu. Quelques petits problèmes de framerate, il paraît. Et des problèmes qui apparemment peuvent être résolus très rapidement avec un peu si ça donne la peine. Comme Stories of Season, je dirais. Oh oui, je vais vous arroser. Range ta. Allez, go. Il n'a pas vu Julien. Ah, cet enfant, il s'est peut-être encore perdu. Je me demande bien où est-ce qu'il est encore allé. Dès que je n'ai plus l'œil sur lui, c'est toujours comme ça. Ça semble être assez fatigant, lui aussi. Ouais, mais bon. Quand on parle de comme ça, c'est la même chose pour toi après tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne te souviens de rien. Apparemment, tu n'es pas une personne bizarre, mais... Si on va pouvoir bien manger... Moi aussi, si je vais bien pouvoir... te présenter au maire, ce genre de choses. Ou alors, si tu vas bien pouvoir t'entendre ici, là. J'ai beaucoup des inquiétudes. Mon inquiétude est aussi grande qu'un festival. Et ça, tu préfères le dire à la personne concernée directement. Là, je dois aller rechercher Julien. Salut! Quelque chose. Viens me voir. Merci. Ah, elle a l'air de se soucier de moi. Aujourd'hui. Moi, je suis sûr que tu t'entendrais avoir une relation de rivalité avec Julien. Non, on fiche de Julien. Allez, scoop. Pas en train de bailler, elle. Oui, je suis assez demandé par les habitants du village. C'est assez contraignant, ça. Mais si je peux encore t'aider, ne te retiens surtout pas, dis-moi. Non, c'est plutôt l'inverse. Si toi tu as besoin, demande-moi de t'aider. Ouais, aller dormir, toi, un peu. Non. Oh, c'est quoi, il y a des flèches. Qu'est-ce que c'est que cette boîte? Visage dessus. Appeler boîte, c'est mal poli, tu sais. Ah, la boîte a parlé! Je vais te dire que je ne sais pas une boîte. J'ai beau avoir cette allure-là, je m'appelle Sainte Eliza. Sainte Eliza.
Et Eliza. Eliza, ok. Ok, ravi de te rencontrer. Mais au lieu de ça d'ailleurs, tu peux m'entendre toi? Ok. Lui, il nous permet de... Ok. De changer la difficulté du jeu. On voit le champ. Tiens, je vais l'arroser. Je vais mettre d'autres graines, tiens, aussi. J'oublie toujours c'est Y. Non, pas ici. Oh, du jus. Oh, c'est bon. Oh, des graines de tomates. Vas-y, on va les planter maintenant. Stockage en tout cas. On va aller avec ça en fait. Avec des tomates moi. Allez. Et non. Très pour en fait, je suis fou moi. Je viens de mélanger les ménavets avec les tomates. Oh, ouais, c'est pas... On va mettre les tomates ici. De jus là, ouais, ça me redonne trop de poids. C'est bien ça. Le cotonnet, le spinot et le cotonnet. Non, il est mieux aussi. Non, c'est bien. Je le mets dans un... Et si je le mets dans la boîte là-bas, ça va être vendu en fait. Pas envie de le vendre. J'ai envie de le stocker. J'ai envie de l'avoir tout sur moi. Forcément un endroit où je peux... Armoire certainement.
normalement pour mes vêtements, c'est trop. Ouais, c'est pour ça. Je vais y mettre des. Oh! C'est une armoire. Si. Ça, c'est tout mon stock, ça. Pas de la place pour le moment. Ok. C'est les habilités. Une, c'est les armes. C'est les stats. Ce que je vous ai dit, hein, Win Factory, c'est un peu RPG aussi. Donc on a des stats, bien sûr. Des stats d'attaque, de magie, etc. etc. Skill 25% avec aussi là et aussi pour le moment. On a le scénario. On peut aussi avoir des sub-scénarios. Ok, pour moi. Idomar. J'ai pas le Shidmar. Stamp list. Ah, ça c'est des. Ok, c'est des trophées ça. Sauvegarder. C'est un peu tutoriel ça. Si je maintiens le bouton, il ramasse automatiquement. Hop. What? Maison, juste. Ouais, c'est vrai qu'il avait dit que je pouvais regarder le plan pour voir où étaient les gens. Et là, il y a trois personnes. Il y a trois personnes! J'ai même pas vu le chef. Elle est où? Ouais, je vais retourner là, du coup. Il est rose. Oh, attends. Oh. Où est le chef, moi? Où est le chef? Vous voyez, il y a quelques petits ralentissements. Ouais. Ah, salut, Tabuki. Elle est où? Ah, mais elle est là. Oh, je la vois pas. Alors, comment ça se passe, les travaux de champ? Ah bah tant mieux du coup. En fait, ça. Quoi ça? Ok, je vais t'en dire plus. Ok, on a fait. Ok. Donc, ouais, il parle des informations sur. Sur les récoltes du moment. Oui, effectivement, si récolte des navets et que tu les vends en période de tirer plus. Ouais,
pas sur d'autres. Faire attention au timing. Oui, attention à comment tu... Ok, ok, de tes fruits ou de tes légumes. Pour avoir la meilleure qualité pour les vendre au meilleur tarif. Bien sûr, bien sûr. Oh. Ah, c'est bon. Ça ici, pardon, il y a pas. Ouvert de 9h à 18h, les jours normaux, et 9h à 14h, les jours réveillés, en tout cas. Ça va le kabuki? Petite cinématique comme d'hab. Ouais ouais, ça va, super. Qui toi? Je suis un apprenti de Sid, enfin de l'agence de Sid. Alès. Je vais rester ici à Libas un petit moment, du coup, je suis venu me présenter. Bah, du coup, des maths. Je suis pas très des maths de base, mais bon, quand c'est de l'import, c'est quand même plus agréable. J'ai pas attendu 10 000 ans que ça vienne. Et que le poste, que le facteur après il l'envoie dans la mauvaise boîte aux lettres, c'est estompé. Un nouveau de Sid est venu se présenter. Le voisin, Ido, venu se présenter. Ça veut dire quoi ça? Vous pouvez pas juste arrêter de battre le fer un petit moment, maître? Oh, désolé, un client du coup. Non, pas du tout. C'est un nouveau du Sid. Tu as laissé. Oh. J'ai entendu parler de toi de As, de la vieille. Là. Donc c'est toi le nouveau vigoureux. Je suis le forgeron Dog et voici mon apprenti Martinda. Ça doit être pas confortable d'avoir perdu la mémoire, donc j'aimerais bien t'être d'une aide quelconque, mais bon. Si tu veux apprenais un peu quelques petits trucs. Peut-être quand le martelant un peu, il va se souvenir de quelque chose. On va faire court.
faire vite. Vite. Tu as l'air prêt. Du coup, commençons. Avec la force, tu peux fabriquer des armes et du matériel d'agriculture. Bien sûr, tu as besoin de minéraux. Maintenant, tu peux en trouver dans les donjons ou en battant des pierres avec le marteau. Dans tous les cas, tu n'as rien des deux, donc. Ça, du coup. Si. Pas besoin de me remercier. Continuation. Il m'a dit de construire une arme. Il est bien venu. À gauche, tu as la recette que tu peux faire. Apparaîtra ensuite en haut à droite les matériaux dont tu auras besoin pour faire cette recette. Donc, quand tu as réuni tous les matériaux pour quelque chose, tout sera indiqué en gras. Alors que s'il te manque quelque chose, enfin, les matériaux qui te manquent seront indiqués en plus léger. Là, il apparaît en gras, donc je les ai. Je vais le faire sans utiliser de recette, apparemment. Non, pas. Ça. Une claymore. Claymore. J'ai réussi. On va voir. Oh, je suis surpris. C'est ta première fois et pourtant, tu réussis à faire quelque chose de qualité, de grande qualité. Ah, à mon avis, c'est surtout parce que tu m'as bien montré. Et la force, c'est vraiment impressionnant. Je crois qu'on pouvait créer de telles choses en mettant tout son cœur. C'est un peu comme de la magie. Ou t'as réussi à te souvenir de quelque chose? Rien du tout. Et si tu veux te donner quelques idées, tu peux même manger du pain. Pain? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu veux parler? Pourquoi tu as l'air si surpris? Ah, mais c'est vrai, je n'ai pas souvenir. Nous ici, afin de nous souvenir de ces recettes, on mange des pains de recettes. Quoi? Si t'as envie d'apprendre des recettes d'armes, alors tu devrais manger des... des pains de recettes d'armes. Des pains, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, même si tu en manges, tu ne te souviendras pas forcément. Ça dépend de ton niveau en forge. Et de ton skill, enfin, de votre skill, etc. Ok. Si, ça m'a beaucoup aidé, j'ai beaucoup appris. En tout cas, si tu as terminé, tu me rends compte.
Level up pour Organism Viewer, il est de niveau 70. Bravo à toi. Oh, j'ai encore des gens à qui présenter, faire des présentations. Ah, c'est toi, Alice. On retrouvera les mémoires un jour. S'il se passe quelque chose, va venir. Ok. 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 Il est trop à fond dans son travail. Bon, on va se barrer. Ah, bon, bah ok, Kabuki. Bah, taffe bien. Moi aussi, de toute façon, je vais taffer après. Hein. Je suis juste là, histoire de... Puis Miel, quand elle viendra reprendre, de toute façon. Je suis venu pour présenter ce Ruin Factory 5, qui est plutôt marrant, je dirais. Ça, je suis déjà venu. Donc, je peux me déplacer rapidement, là. Parce que ce qui m'a été dit, je fais ça, voir si je fais direct. Oui, voilà, je vais téléporter. Si je fais ça, tous les lieux où je me suis rendu une fois. Ok, ok. Personne au sud de la ville.
on travaille beaucoup. Moi aussi, je fais. C'est aussi un monde de site. C'est des ruines ici. C'est curieux, mais apparemment c'est interdit. Pas dit que c'est interdit. Pas se doucher. C'est les branches. Une petite mise à jour là, ça sera plus stable. Ici aussi. Ok, donc c'est le professeur des monstres, il nous apprendra à attraper des monstres, je suppose. Parle bizarrement, très bizarre. Mais on peut changer de nom avec lui, pardon. Alors, si, allez, ça me plaît pas, je peux changer de nom, c'est ça? Ouais, c'est ça. Juste quelques chutes bizarres. Je pense que ça peut être stabilisé tellement vite. Et au-delà de ça, ça va. Non! Désolé, j'étais tellement en train d'essayer d'attraper mon petit frère que... Oh, ça va, mais plutôt, au lieu de ça, est-ce que toi ça va? Qu'est-ce qui se passe? Non, il n'y a rien, il n'y a rien. Ça n'a pas l'air d'être aussi bizarre que je pensais. Ce n'est pas le moment de penser à ça. Je dois rattraper Julianne. Si je le laisse, il va finir par se perdre encore. Ah, je vois. Ah, mais toi aussi, aide-moi d'ailleurs. Voyons qui attrapera Julianne en premier. Ça aussi, c'est un travail pour le site, non? Quand t'es au site, tu fais des chants et tu fais ça. C'est parti. C'est pas fluide, le
en vrai, ça va. Pour le moment, en tout cas. Parce que j'ai déjà quelques textures qui sont pas. Donc, dans la cuisine à vapeur. Oh là là, je sais pas si tu me racontes tout, mais... Oh là là... Il y a des endroits, c'est pas mal. Ouais, ici... Oh, ici... Les autres gens d'officier, alors... On va bien me reposer. On va peut-être aller au Onsen. Bonne odeur de faim en train de cuire. C'est bonne odeur de faim. Oui. Désolé. C'est pas comme si j'étais venu acheter du pain. En fait. C'est quoi le nouveau du Cid, non? Oh, Yuki, tu le connais? Yuki, mais c'est celle de l'affaire des lunettes. Oui, c'est de lui dont parlait ici, là, dans ton très excité. C'est un nouveau membre donc qui vient de rentrer au CID et il est déjà tellement... il a l'air d'être une très bonne personne. Apparemment. Ah, je vois. Je suis un apprenti au CID. Allez. Je vais rentrer. Je suis le propriétaire de ces dieux. Landolf. On fait des pains avec ma femme Yuki. Si ce n'est pas pour acheter du pain, n'hésite pas à venir pour nous parler. Et ce n'est pas... ça ne nous dérangera pas. Oh, ça va aller. Pour nous, les anciens, les seniors... à nouveau une bonne discussion. Moi j'aime bien les rumeurs qui courent et lui il aime bien les récits d'aventure. Si tu as des nouvelles à venir partager avec nous, n'hésite pas à venir. Bien sûr. De me présenter à d'autres. Racheter ça. Encore racheter, c'est ça. Hein?
Il n'y a pas un seul moment. C'est à la fois bizarre et si pas si moche. Une nouvelle affaire. Oh, c'est toi. Comme je le pensais, c'est toi, Alès. Mais comment tu connais mon nom? Je viens de le demander à Teddy, ça. Et la personne qui est à boutique, c'est ça? C'est vraiment une très grande et sérieuse affaire, ça. Je suis très excité par tout ça. Pas moi. C'est chineux. Pas censé être heureux, être aussi content sur un problème qui est plutôt délicat en fait. Oh, je suis désolé. Moi aussi, permets-moi de m'excuser. C'est moi, après tout, qui lui ai dit que ça sentait la bonne affaire. Ah non, y'a rien. C'est vous, Teddy, ça? シードともよろしくやらせてもらってる。あんたとも仲良くしたいな。はい。エリー、セシル。僕とも仲良くしてくれる？もし、tu、enfin、serais ami avec moi？もちろん。Bien sûr。Bonjour toi、セシル。セシル、クー。Ah, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on appelle des mecs ici? Bon, après, je suis rien comme ça. Je trouve ça bizarre. Pour moi, c'est un film. C'est pas le moment de rester planté là. Il y a des affaires partout. Selon mon enquête, parmi les besoins de cette ville. Lui cherche, c'est le genre à enquêter sur tout et n'importe quoi. On verra quoi faire cette boutique plus tard, bien sûr. Enfin, cette boutique, cette agence. Du coup, il nous reste encore une là. Si. C'est pas mal, ça aussi. Oh.
Timon, ça. Ah, Alice. Comment ça va? Grâce à vous, tout va bien. Merci pour ce que vous avez fait. Oh, tu n'as pas besoin de me remercier. C'est le travail d'un médecin après toi. Ça va? On dirait que vous êtes. Vous avez l'air. Faire un peu, non? Ouais, ce ne sont juste que les expérimentations d'un médecin, et puis c'est grâce à ça qu'on arrive à essayer de nouveaux médicaments. C'est un nouveau médicament de votre. De vous-même? Une évidence. Faut pas l'essayer avec des passions. Sinon, qu'est-ce que tu proposes? Faudrait l'essayer par toi-même? Oh, si c'est pas quelque chose qui fait très mal. Ok, donc il va devenir un peu son rat de laboratoire, quoi. Son rat de laboratoire, c'est pas trop grave. Le médicament, il y a plein de produits là. Belle pour Adèle Gorbi. Je suis le client numéro 9999. C'est dommage. À une passe près, je t'aurais offert un cadeau. Ah, c'est dommage. Du coup, qu'est-ce que tu dirais de juste sortir de la boutique et de revenir? Un peu de la merde, ça, non? Wesh. Heinz, ok. Il s'occupe de. Ouais, il était. C'est toi, apparemment.
j'ai pas trop envie de le connaître. Sauf. Cet endroit, on le sait forcément. Ah, c'est bon, là qu'il y a. Oh, Inochi no onjin janeka. Lui dont je dois la vie de ma fille. Ouais, c'est le genre, si t'étais une fille, tu pourrais te marier avec, je pense. Donc il y a du mariage gay, hein. Comment qu'il en est, je sais pas. Hi. Fatigué, on peut venir avec la. Ouais, c'est une forme de source de chaud. Se baigner dedans pour aller mieux. Les deux sales cœurs que j'ai pour moi, c'est ça. Il a marrant tout le temps. C'est la clé mort. Je peux m'équiper de ça. Bizarre, ça. Vraiment. して。
Et là, on va se téléporter donc c'est... Eh ben ça va, Croque-Mou ? Oui, ça va. Nous, moi je vais bien. C'est ça, bon. Pour ça, on dit qui lui a début d'habitude niveau 47, Dark Show début d'habitude niveau 47. Suspecté. Salut petite Junette, ça va toi aussi? Le tableau, c'est Hila qui a gagné. Oh bah tranquille, moi aussi j'aimerais bien finir mon boulot à ce temps-là. Ah moi je vais bientôt aller au boulot, c'est pas la même chose. C'est pour ça que je t'ai dit que j'aurais dû les arrêter. Non, c'était un très beau duel. Hein? Et Julien. J'ai perdu.
incroyable celle-là. La prochaine fois, je gagnerai. Oh, nous aussi on va faire un duel. Profite bien, petite Junette. Enfin, en terrasse, c'est n'oublie pas. Oh, terrasse, quoi. J'ai pas trop envie. Mais... Allez, on a fini. Et dormir, ça. Oh, j'ai réussi à voir. J'ai réussi à voir un skill. Là. Comment skill? Ah, oui, c'est oui. Ça. Ah, oui, c'est oui. Ça. Même un skill pour dormir. Là, il est 8h21. Quatrième jour. C'est safe, bien sûr. Safe. Oh. Chef Ilivaya. J'ai fait passe à tout le monde. Un beau travail, du coup.
Ok, génial. Voilà. Juste à marcher, à courir, et puis ça va augmenter. Ok, super. J'aime ce skill. Lalalala. Arroser déjà. Non. Ça y est, là je suis en train de dépenser des RP là. Ah, là je suis en train de dépenser des RP. Même des PV là. Les tomates et mes navets sont arrosées. Où est-ce que j'ai comme skill? N'est-ce pas, petite lunette? Ouais, comme tu le vois, il y a quelques chutes de framerate. Mais ça se joue. Ça se joue et c'est le genre de chute en fait. Il faut une mise à jour et ça peut être résolu, je pense. Pas de raison. Petite mise à jour et ça peut être résolu. C'est vrai, je peux faire ça. Oh, what? Et je peux les jeter. Ah, ça marche pas. Attends. Donc il y a une distance. Merde. Oui, panier. Ouais, je suis sûr qu'il y a un skill boost. Je suis sûr que ça, c'est un skill. Alors, plus tu fais ça, et plus tu pourras lancer tes objets de loin. Il y a un skill. C'est trop ouf. Allez, lance! Ah oui, bah voilà, il y a un skill. Bien sûr qu'il y a un skill. Bien sûr. Mague skill, ouais, c'est ça. Mettez mon égat pour la vie, mais ça va aller du coup. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, dans les monstres, les objets et tout, on augmente skill de lancer. Ouf, ça. Ok. Non. Oh, c'est j'ai pris deux quêtes. Ah, mais il y a un scénario, il faut que je passe ici. Ah, ouais. Puis une autre quête aussi, j'en ai pris deux.
avait parlé à Eliza. Développe au Naughty Dreams. 34, bravo à toi. Oh, mais il est déjà 14h40 dans, dans la réalité, mais... It's making. It's making. Ok, donc en utilisant les seed points, je peux utiliser voir Eliza pour développer des nouvelles possibilités. Ça permet aussi d'organiser des festivals. Mais tournoi de cuisine, j'ai pas de recette, ça sert à rien. J'ai pas de fleurs, ça sert pas à grand chose, ça sert à la matière. Oh, de la pêche. Si là j'aurais de la canne à pêche. C'est qu'en vrai, il est 14h45 là, c'est bientôt l'heure de miel, je crois. C'est même pas miel, c'est Adra. Je vais m'en coûter là. C'est Adra.
Merde. Où est-ce que tu es? Même pas ce qu'il me demande parce que je cours, c'est tout. Ma roquette sur le tableau, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, la porte que tu vas ouvrir, c'est celle-là? Ah non, oui, c'est vrai, tu ne peux pas l'ouvrir. Tu as perdu la clé? Il n'y a que ma soeur qui a les clés ici. On doit juste trouver ta sœur, non? Et bon, c'est que... En fait, ma sœur est dans la boutique. Ça fait quelques jours qu'elle n'est pas rentrée à la maison. Quoi? Mais ça veut dire qu'il s'est peut-être passé quelque chose dedans. C'est une urgence. C'est dangereux. Ah, c'est pas possible, ça ne réagit pas. Ici là, ça va aller si je casse la porte. Ouais, ok. Ok, donc j'y vais. Ça marche pas beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? À l'intérieur, là, il y a la sœur de Priscilla, mais la porte est solide et je n'arrive pas à la poquiser. Pousse-toi. Oh, avec un marteau, lui. Même pas. Priscilla, est-ce qu'on peut en faire de la poussière? Attendez. Cette personne. C'est pas trop malin, vous. Même Vous n'avez rien que d'autre que des muscles ou... Ça s'est ouvert. Oh, tu sais, pour moi, ce genre de serrure, c'est... On est tous les jours. Et tous les matins au petit deuil. Ah, c'est vraiment pratique, ça. Tu peux devenir voleur à n'importe quel moment. Ça correspond bien sur le truc. Qu'est-ce que tu es en train de me dire?
moi je serai juste le bras droit de Palmo un jour, c'est tout. Merci beaucoup. Je vous donnerai une récompense plus tard. Non, j'en ai pas besoin, juste pour ça. Vous aviez quelque chose à faire à l'intérieur, non? Oui, c'est vrai. Ici, là. Je pense que Adra va vous montrer enfin la fin de Banjo et Kazooie. Il va rager un petit peu, je pense, comme d'hab, face à Gantilda, encore une fois, je sais plus comment ça se passe. Et le grand sœur. Katia. Ah, donc c'est fini pareil. Surprise. Katia, où est ma grande sœur? Je pensais à ma grande sœur. Et du coup, Priscilla, cette personne, c'est. Ah oui, c'est vrai, tu ne la connais pas. Encore rencontré, c'est la première fois que tu rencontres Fou, Katia. C'est travail en fait à temps partiel ici au restaurant. Elle dit ravi de te rencontrer. Ah bah également. Parce qu'on dit Gao. Non, tu peux lui parler normalement. Vraiment? Fuka a pris beaucoup de mots. Wow. N'est-ce pas? Fuka est le joueur à personne à se donner à fond. Bon, je veux dire, ce qui est incroyable, c'est que toi, tu arrives à comprendre les mots de Fuka. C'est bien. Ah, oh, mais ça, oui, si tu. Si toi aussi tu t'y mets, tu pourras la comprendre. Oui. Les mots de feu, Katia, ce n'est pas quelque chose que tu entends, mais c'est quelque chose que tu vois. C'est quelque chose que je vois. Ça devient de plus en plus bizarre. Vélo pour Anthony Chastrab, gros viewer de niveau 148, Lady Clémentine, et début d'avis. Donc niveau 45, bravo à toi Lady Clémentine, d'ailleurs. Est-ce que tu pourrais répéter encore une fois? Et ton nom? Encore une fois? Donc, et toi, ton nom? Oh, impressionnant, tu arrives déjà à la comprendre. C'est la première fois. C'est bizarre. C'est vrai que j'ai réussi à mettre les mots en tête. Bruno, Sugita. Nos cœurs se sont reliés. Toi, ami de Fuka. Merci beaucoup. Je suis Alès. Ravi de te rencontrer, Fuka. Ravi de rencontrer. Alors, à l'instant, c'était des mots humains, là. En ce moment, moi, avec Jean, étudier langue et Priscilla. Moi aussi, j'attends. Je suis en train d'apprendre la langue Gao avec toi, en tout cas. Je veux voir.
tu pourrais m'apprendre moi aussi la prochaine fois. Qu'est-ce qui se passe ici? Sœur? Priscilla. Il ne s'agit pas de dire bonjour, voyons. Tu n'es pas rentré et j'étais très inquiète. Désolé. Rentrer à la maison à pied, c'est vraiment chiant, du coup. C'est chiant. Que tu es Eric? Je suis l'apprenti, le nouvel apprenti aussi, Alès. Ravi de vous rencontrer. Ici, il n'y a que des gens qui parlent fort. Mais Alès, juste de se présenter. Sois un peu plus poli. Elche, la grande sœur de Priscilla, travaille au restaurant. Si tu veux, n'hésite pas aussi à venir dans les heures d'ouverture. Travailler quoi. Ça va pas être possible. Désolé, ma grande sœur dort presque tout le temps. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, bien, on a pu au moins s'assurer qu'elle allait bien. C'est beaucoup, Alès. Et là, du coup, comme ça, tu as pu accomplir ta quête. Et oui, j'ai pu accomplir ma quête. Ouh, c'est quoi ça? C'est mieux ça. 800, ah non, ça c'est mieux. 100. C'est du 150. Bon, il est 15h, on va les sauvegarder. Alors, et on va vous laisser avec Adra, bien sûr, qui doit être dans le coin ou qui va pas tarder. Et on reprendra la prochaine fois, bien sûr. Sauf si je fais autre chose. Du coup, bah, bonne journée à tous. Bonne journée à ceux qui vont travailler. Moi, je vais travailler. Bon appétit à ceux qui mangent peut-être tard. Pour stream avec Adra qui devrait pas tarder à se pointer, comme je dis. Salut.